Ah bah moi aussi, hein. Ouais. Ouais, ça parce que t'as dû, ouais. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Si c'est, ouais. T'as peut-être autorisé que pour les trophées, hein. Peut-être. Hein. T'as vu le nouveau tableau de bord aussi? T'as regardé un peu le nouveau design? Tout le monde, hein. Voilà, les deux cuts, ils sont faits. Enfin, les deux clips là, de bagarre là qu'on a fait qui étaient stylés. Voilà. On les faire dans la foulée. À la foulée. Voilà qu'on envoie. Ne jouez pas seul. Histoire partagée. Pas s'ils vont te réinviter ou s'il faut que je le fasse. Ah, s'ils me proposent direct. Tu vois ça. Non, je peux pas. Bon, on partage. Hein. Ça marcherait. Hein. À mon avis. Pour essayer même. Dégage. C'est bon? Ah, Oui. mon Dieu. Continuez. Alors, t'es prête? Oui. Sélectionnez. Donc en fait, il y a une bande d'amis. Il y a un mec avec son frangin et sa meuf. La meuf qui a amené aussi son frangin. Ils sont sur un bateau avec une meuf qui est censée conduire le bateau pour eux. Et donc ils font de l'exploration d'épaves sous-marines. Et du coup ils ont eu embrouille en fait. Hein. Ils se sont retrouvés capturés par des pirates. Et ils ont été emmenés dans une. Enfin, les pirates sont tombés par hasard sur une vieille épave de bateau qu'ils sont en train d'explorer. Et eux ont été enfermés dans une pièce. Et c'est là que commence le livre. Voilà. J'espère, mais c'est bien, j'ai compris. Hein. De la musique. Non. On peut pas, genre, Non. démarrer à l'arrache? Non, on peut pas faire autrement. Il nous faut la tête à l'image. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Ok. Mais qu'est-ce que c'est moi? Ah. Mlle J. Riviera, appartement impression. Ça, du trésor. Tu me manques énormément. Encore 3 mois avant ma prochaine permission. Elle me jette dans tes bras. 3 mois, on est allé boire quelques verres. Merci, Marie. Ah bah désolé, hein, je savais pas que... Enfin, c'est pas moi. Y a peut-être un truc d'important. Hein.
Non. Que dalle. Oh, ça c'est une photo importante, hein. Je me demande ce qui s'est passé. Gang tuerie de 1947. Des archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans le Mont Zagros, en Irak. L'expédition Hobson était arrivée en septembre dernier dans le but annoncé de mettre au jour trois petits points. Je sais pas. Ça te semble comment? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici! Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Oh, oui. Bientôt le découvrir. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Non, je m'en charge. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-toi. J'espère que j'ai fait le bon choix. Ça peut aider. Et tant qu'ils trouvent d'où on vient, moi je pense que c'est mieux. Dans ce temps-là, il est paumé, quoi. Tant pis. Je n'attendais pas à ce que ça s'ouvre. C'est pas facile à manœuvrer par moment. Hein. Ça va? Bah oui. T'as crié.
rien trouvé, toi? Non. De toute façon, on peut se le dire, on est ensemble, hein, donc... Bah non, mais je sais, mais non, j'ai rien trouvé. Non, c'est vrai qu'il y a des choses, tu peux pas me les dire, c'est vrai, mais... quand on n'est pas ensemble, ah, oui. Mais, si. Mais quand on est ensemble, on peut, hein. Tu sais, on est une bande de potes, donc on peut se raconter des trucs qui se passent, hein. Bah forcément, oui. Sauf si on commence à avoir des personnages qui s'entendent pas bien avec l'autre, on n'est pas obligé. Il faut jouer le roleplay, quoi. Stop. Ouais. Ils ont pas pu disparaître. Attends, là, je fais un... Trop cru voir une femme habillée en marin, là, ah, dans le coin. Ça fait trop bizarre, quoi. Ah. Moi, j'ai un plan. Ça me sert à rien, mais j'ai un plan. Mais en zone, on peut pas aller, un gros de gold de 2 là, je sais pas quoi. Le truc il est tombé tout seul, j'ai rien fait. Il dit quelque chose ce couloir là quand même. Non mais j'allais dire exactement la même chose. Finalement, je l'aime bien le blanc. Ah, t'es là? La lumière. Les toilettes. Oh, juste une lettre. Ouais, n'importe où. Que je regarde des fois, c'est jamais. Et s'il y a un code, je sais pas quoi, pour un coffre avec une arme, par exemple, pas hésiter, quoi. J'ai découvert des faiblesses structurelles et difficiles dans certaines sections de la cale 1. Je vais demander au charpentier d'effectuer les réparations nécessaires. Je conseille au capitaine de ménager le navire sur les trajets de retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. Ah ouais. Le 20 juin, on m'a signalé les dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert des barbes d'étain sur certains composants. J'ai nettoyé les soudures, j'ai rajouté du plomb. J'ai remédié au court-circuit de ralentir la formation des barbes. D'accord. Ouais, je vais pas regarder si on pouvait tourner les pages, si tu veux essayer. Ouais. Ah. Merde, j'appuie sur... Le L1, il est trop mal placé, là. Ouais. Bah, c'est complètement con de mettre une pause sur là en R1, fait. Oui, R1, mais c'est complètement idiot, on est d'accord. Bah oui. Il y a quand même des choses qui sont établies depuis des années, quoi. Tu sais qu'il y a dans certains jeux, ils mettent le bouton tiré sur la flèche directionnelle. Hein. Les mecs qui veulent innover, mais non, c'est pas une bonne idée. Innove pas, s'il te plaît. C'est quoi de ça? Un cocon? Ah non, c'est un bébé crâne. Oh, trop bien. C'est quoi ça? Ah non, c'est rien, mais c'est trop beau. On dirait un rat. T'as vu un rat vampire? Non, c'est un truc de rat. Un rat vampire. Oui, c'est un rat, quoi. Waouh. Une prémonition là. Ouais.
Le capitaine interdit l'alcool pendant tout le voyage. Et quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce vieux rafio est mort. Il y a bien un accrochage entre des sobriétés de Wilson en Asie. J'ai parlé à un gars qui a embarqué la cargaison, il m'a dit qu'il avait chargé pas mal de cercueils. Rien d'étonnant jusque-là, il m'a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut dans les cales, de manière vraiment précise. C'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion aurait droit. Du coup, je me demande qui ça peut bien être dans ce cercueil. Pérez a dit qu'il avait fait de l'agneau avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Minable, cette gnôle. Pérez a dit qu'il était beurré au bout de 4 verres, mais c'est des foutaises, c'était des pipes de chat. Ah, c'était des pipis de chat. Désolé. Pareil qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Tout est en place, il dit qu'il peut me faire entrer en douce, on va y aller ce soir. Ah. Du coup, ils ont peut-être fait des conneries à y aller. D'accord, c'est très étrange. Ouais. Comment on fait pour voir les prémonitions sans tout casser? C'est pas le pavé tactile? Bah non. Ah, non, attends. Non plus. En fait, tous les boutons qui servent pas dans le jeu, ils ont mis pause dessus, non? Alors, continuez. Oui. Merci. Essayez avec le pavé, enfin, les flèches directionnelles. Bah. Mais. Non, mais j'essaie de trouver. Mais il n'est pas censé savoir qu'on est parti encore. Ah! Trop facile. Là, c'est un piège. Ben, je t'aurais prévenu. Hein. Même au pied nu, il faudrait bien voir ça, quoi. Il n'a pas l'air si adroit que ça, si. Moi je joue con. Attention. Ah.
Elle est con, elle. Elle est sérieuse. Où sont passés les autres? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Elle était complètement con, elle. Sérieusement, elle était complètement inconsciente. Tu m'étonnes. On n'a rien pu choisir, hein. Là, on nous a imposé un choix, quand même, hein, je vais pas dire. Hein. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Ah, là, 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 là. Alors, bébé. Ouais, c'est bon. Hey. Jusqu'à provocation, quoi. Il est où le bâton? Qu'est-ce que t'as fait du bâton? Comment je te frappe? Oh là là. Un jour au lourd. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? Attends, je vais faire concours de t-shirt mouillé. Comme ça, il va me libérer. Mais ça marche pas, c'est pas assez doux. Stop. On t'est dirigé, quoi, c'est un truc de ouf, c'est énervant. Merde.
Medan. Tiens. On va débloquer quelque chose. C'était quoi ce secret? T'as trouvé un secret. Qu'est-ce que tu racontes? Tu la fermes, je veux plus t'entendre. Hassan! Tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez, tu sais pas de quoi tu parles. Où sont passés tous tes amis, dis-moi. Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde, mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite, on avance. Mais bah, laisse-moi avancer, trou du cul. C'est quoi ce bordel? Bah. D'accord, le courageux, quoi. Oh. Je ne crois pas. Tu veux te servir de ça, quoi, ça veut rien dire leurs indices. Je fais exprès d'appuyer plusieurs fois. Des fois, ça débloque des trucs. Tu vois, il a tiré des coups de feu, lui. Désolé, je suis désolé. Hey Migros, comment ça va? Ça va ou quoi? Comment vas-tu? Oh merde. Ouais. Ok, premièrement, dis-moi comment tu l'as dépassé. Et ensuite, comment t'es arrivé là? J'essayais de te rattraper, tu sais, te sauver, tout ça quoi. Mais j'ai entendu des bruits étranges et j'ai dû me cacher. Je veux juste sortir de ce putain de trou et remonter à l'air libre. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est lui? Il est tellement chelou ce bateau.
Ah ouais, pas de problème, Migros, hein. Tu passes quand tu veux, pas de soucis. T'inquiète pas, hein. J'ai toujours passé quand vous voulez, quand vous pouvez. J'ai pas de problème. On a tous une vie, hein. Ah, attends, Jean-Claude, viens voir. Oh l'enculé! Oh, ça il m'a fait flipper. Je me suis fait eu. Ouais, j'avoue. Petite trace de pneu. J'étais pas prêt. On reste ensemble, quoi. C'est pas le con, hein. J'ai vu des films d'horreur, ils meurent tous parce qu'ils se séparent. Hey, l'affaire, tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Chucky Perez, Boston. Avec tes vieilles Jeep, je crois que c'est ça que j'ai peur des ces prix en Jeep. Un truc dans le style là, normalement. C'est qu'on lui demande des photos de ces quatre quand même. Comme tout dit. Hein. Ah ouais? Attends, Marie, apparemment c'est un peu sombre. Bon, du coup, ça va casser un peu mon immersion, mais bon, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Bon, déjà, je regarde l'audio, et c'est à 100. Moi, je trouve que c'est le son qui est pas ouf, quoi. Moi aussi, putain, j'ai essayé d'augmenter. Mais ça à fond. Bah, si tu fais. Il doit changer. Bah, c'est pas ça. Hein. Vas-y, parle. Non, mais c'est pas ça qui change. Allez. Après, comme tu vois, on est quand même dans des couloirs sombres, c'est, enfin, c'est obligé quoi, hein, que ce soit sombre. Hein. Ah,
Ouais, n'hésite pas toi aussi peut-être de ton côté si tu peux augmenter ta luminosité du coup. Attends, ça je pourrais faire un truc apparemment. Alors. Oui bah ouais, bah de toute façon ouais, c'est quand même normal un minimum hein, donc mais bon c'est normal pour moi que je voyais normal hein, mais je vais essayer d'arranger un minimum. En cacahuète. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde est possible. Non, si je peux pas analyser un peu. Attends, je vais augmenter un petit peu, mais après je peux garder plus. Hein. Après, si je fais plus, ça sera peut-être un peu trop. Déjà là, c'est bien clair, je trouve. Ah, les noirs sont bien faits. Hein. Le décor noir, hein. Ouais, mais ils ne vont pas près, là. Non, bah merde, je n'ai pas mis la touche. J'ai fait le con. C'était bizarre. Hein. Par contre, c'est vachement rapide de recruter, je veux pas dire, mais vu que tu regardes beaucoup que c'est mal pensé, je trouve. C'est pas la meilleure des solutions, recruter. Pas spécialement, enfin. Du tout. C'est plus le rituel, hein. Je veux pas trop te raconter ce que je vois, hein. T'es pas censé être avec moi pour le moment. J'ai rien demandé. La marche est telle. Okay. Ça marche, mais passe une bonne nuit, t'es Ted. Passe une bonne nuit. Une bonne nuit. Ouais. C'est chaud. Necronomicon.
Et quoi je désire? La Sora. Avec deux pages. Oh putain, c'est bien chelou leur truc. Oh, c'est rien, c'est juste un rituel kabbalistique. Kabbalistique en gros pour un rituel pour démons quoi. Faire apparaître des démons, c'est du satanisme. Hein, donc, il parle qu'il faut deux hommes et trois femmes encapuchonnés, qu'il faut y a une histoire d'épée. Il faut faire un pentacle avec une personne au milieu. C'est un rituel, quoi. Hein. On parle aussi d'un poignard. Donc il y a un poignard, un crâne, un pentacle et des personnes, quoi. Pour faire le rituel. Ah, regarde pas. Ils sont sympas avec leurs prémonitions, mais ça veut vraiment dire que dalle, quoi. Toi? C'est trop bizarre. Attends, faut que je regarde quand même si je vais ouvrir ça ou pas, là, ça m'intrigue. Justement, il parlait de ça pour le rituel. Après ça doit être mis dans un cercueil. Attends, du coup je vais le relire hein. Là ça m'intrigue du coup. Puis, il y a le pentacle, il y a les le deux lire. Crânes. Bah là du coup je vais être obligé hein. T'as reçu des trucs chelous, je suis là. Ah oh, je sais pas si j'aurai le temps de lire. Hein. C'est quoi cette tête? Et il se passe quoi? Ben, j'en sais rien, mais il y a un problème. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, comme d'hab, faut que tu casses toutes mes actions. Ah oh. C'est toi qui as cassé la mienne. Ah non, moi j'ai pas bougé. J'ai rien de grave. Ça fait comme au début, faut faire gaffe là, faut pas se faire avoir. Je sais pas si je dois faire ça ou pas. Non, j'ai pas confiance. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, j'ai vu une prémonition là-dedans. Dans l'eau. Mais je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui va essayer de le noyer. Il est pas tout seul. Elle est chelou l'eau. Hein. Bah, c'est le colonel. Merde. Le chinois. Bah. Ah non, j'ai pas eu le temps. Oh, et oh, trop rapide leur truc.
Mais il veut sortir de l'eau, regarde, il empêche de se noyer. C'est quoi ce délire? Il y a des hallucinations de ouf depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, mais c'est un truc de dingue. Non, 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 non. Mon avis, faut pas. Mon avis, faut pas faire ça. Bah oui, stop. Non, mais stop. Je veux rien faire, moi, je veux pas le faire. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il faut l'écouter. Je crois qu'il est pas méchant, lui. Je suis désolé, mais il sort de l'eau, il va la sauver elle après, quoi. Il est pas méchant. Chelou là. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Non. Oh. Toi aussi, on l'a déjà vu. Comme ça, hein, je te dis. C'est un des pirates, non? Bah, on dirait oui, mais non. Je sais pas, c'est bizarre. Très étrange. Deux heures 44 du matin. Ah, je suis sûr que je l'avais vu. Pas de soucis, virez les. Je suis pas folle. Ah bah merde, d'accord. Ah mais ils nous font chier avec leur QTE, je rate à chaque fois. Conrad, hey, c'est moi. Conrad, quoi cette merde? Ils nous font chier. C'est sérieux, t'es toujours en train de regarder en fait. Et du coup, tu te fous d'un coup un truc comme ça, t'as pas le temps de réagir. Quoi. Le délai est trop court, je trouve. Je sais pas ce qui lui arrive. Connaissement international. Une station d'épuration. Station d'épuration des eaux. Ouais, y a un truc dans la flotte en fait. Un vieux délire. Il y a une belle texture par moment. Hein. Mmh. Regardez avec la lampe, ça fait beau sur le fer rouillé. Pourquoi elle insiste autant que d'habitude elle n'insiste pas comme ça quoi. Je peux pas ouvrir ce truc toute seule. Bah ouais. Tu m'étonnes. Non. Il
Détail de l'incident. Continue au dos si nécessaire. Aux alentours de 20h30, le soldat Pérez me signait que le soldat Miller était en possession d'un objet interdit. À 22h, j'ai retrouvé le soldat Miller qui m'a montré un sac de toile contenant de petites tuiles de bakélite décorées. Le soldat Miller avait fait l'acquisition de ces tuiles au marché lors de notre escale dans le port de Mandchourie. J'ai informé le soldat Miller que je devais les confisquer. Miller a protesté en prétextant qu'il était attaché et que ça lui porterait malheur s'il les perdait. Je suis bien d'accord. En dépit de l'absurdité de sa superstition, j'ai compati avec lui et je l'ai calmé en lui parlant de la photo de ma famille que j'ai dans mon bureau. J'ai néanmoins procédé à la confiscation et j'ai expédié au soldat Miller que les objets personnels étaient interdits en dehors des temps de repos. Voilà. Dans l'armée, ça. Rapport de police militaire identifiant. Comportement violent du sergent John Ferris. Nom du sujet, soldat Wagner, première classe Brandt. Heure de l'effraction, 1h05, le 23 juin. Implication, alcool, drogue. Personnel de cuisine m'a signalé l'invitation dans le mess. Et sur place, des hommes au centre d'un groupe de personnes qui encouragent. Un chien au centre de la pièce, j'ai retrouvé la première classe Brandt à terre. Les visages et les vêtements ensanglantés, les soldats Wagner au-dessus de lui, les poings couverts de sang. Le commissaire Wagner s'est retourné vers moi et a tenté de m'attaquer, ainsi que Brandt. Plusieurs personnes m'ont aidé à y maîtriser. Aucune des parties n'a d'antécédent. Aucune des parties ne semble avoir consommé d'alcool. Les témoins de la scène ont déclaré que les deux hommes étaient amis, ce que le comportement était très inhabituel. Le présent rapport est succinct car j'ai été appelé pour un autre cas de comportement violent ailleurs sur le navire à 1h30. Donc on est venu défendre, on s'est ramené ultérieurement. En fait, c'est parti en couille vers cette heure-là, quoi, vers 1h30. Les gens sont commencés à se battre petit à petit sur le navire. Ah mais... On va pas faire une dictée non plus. Ouais, mais je lis vite fait, ça n'a rien d'important, hein. C'est pour ça que je lis sommairement. Hein. Ça sert à rien, quoi, ça vaut rien, quoi. On est dans le bureau du chef. Et ben voilà. C'est toi la clé du coffre. Non, on te passe le bonjour, Marie. Bah, parce que t'es poli.
en fait. Hey, on s'est déjà dit bonsoir. Jeune fille. Ah, là, ça risque d'être important, c'est dans le coffre. Ok, je vais refoutre, ça se passe comment? Bon con, ouais. Ah, résumé du test 6 sur l'or de Mandchourie. Ah, l'or de Mandchourie, ok. Propriété US Science Corp confidentielle, attention, de... On ne sait pas de qui. Auteur, on ne sait pas qui. La date du rapport, c'est le 24/4/1947. Étude de la réaction du corps humain à l'ingestion du produit chimique désigné par le nom or de Mandchourie. Donc, c'est peut-être pas de l'or en fait. Alors, c'est un produit chimique. Produit ingéré sous forme de poussière cristalline par les sujets A, B, C, D et E. Tous des volontaires fournis par le sergent de la base. Test réussi. Résultat conforme au compte rendu des tests sur des spécimens biologiques dans des dossiers fournis. Rapport complet en cours de rédaction. Étude plus approfondie recommandée sur l'association. Stimuli de réponse des sujets sous influence du produit. Remarque. Ah. Les résultats du dernier test... Oui, c'est ça. Les résultats du dernier test ne prévalent pas contre ceux des tests... 4 et 5 sur l'or de Mandchourie. Il est nécessaire d'éviter toute exposition du produit aux solutions et une chaleur extrême à l'électricité. Rapport complet à venir. Mais en fait, ils touchent un truc, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Par là, c'est l'or. Conrad? Non, excellent. Conrad, c'est moi. Il y a de l'action là. Oh mais grave, mais je galère à appuyer sur les touches là, ça va vite. Hein. Ouais, trop vite. Mais si à chaque fois ils te les mettent, c'est trop rapide quoi. Ah, j'en ai réussi une. Mais qu'est-ce qu'il a ce con? Un style. Si t'as la fibre, ils vont faire chier, quoi. Oh, bah, ouais. Mais là, les QTE, ils sont un peu chiants. Ouais. Ah, mais c'est quoi de ça? Putain. C'est moi, c'est Fliss. Tu sais que je cours après, faut pas que tu paniques. Hein. Qui, moi? Bah oui. Toi, tu me cours après. Bah ça, c'est oui, toi, c'est ça. Moi. Bah oui. C'est faut ça, que t'arrêtes. Ouais. Non, non. Non, mais non. Si je te le dis, c'est pour ça que j'essaye de te rassurer là, parce que vraiment que tu me fasses confiance, c'est moi quoi. Non, mais je peux pas. Je suis dans la merde. Ils vont me faire faire. Oh là là.
C'est toujours moi, faut pas que tu paniques. Mais Marie. Je parlais de... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, si je te le dis. Sorcière. Il va t'arriver un problème à force, hein. Mais je peux pas ne pas y aller. Bah, tu fais pas les actions, peut-être, je sais pas. Je peux pas. Ah, par contre, c'est dangereux, mais. Tu te proposes de fermer une porte, par exemple, tu la fermes pas. Tout ce que je fais, c'est pour lui sauver la vie à chaque fois. Bah là, oui, y a pas le choix. Ça lag, hein. Ils abusent, hein. Oh non, oh non, sérieux. Bah non, Marie. Ah bah si, mais ça va trop vite. Oh là là, mais voilà, c'est le début. Je suis sûr qu'il y a moyen que tu paniques pas au début, hein. Si, si. En fait, Oni il me courait après avec la fille Black. Mais moi, le problème, c'est que je voyais une vieille sorcière démon me courir après. C'était pas Oni. Pardon, j'ai appuyé sans faire exprès. Ça va se casser. Regarde l'état de la plaque. Ah non. Ah, si je gère. Je sais pas ce qu'il y a dans ce bateau, mais ça craint. Hein. Ouais, bah moi je sais. À peu près, hein. Courir à toi, à gauche. Je suis pas trop de risque inutile. C'est rien, c'est rien. Ah bah. Bah voilà, c'est ouvert. Ah bah, menteur. Qu'il est vraiment mort. Donc bah, il y a des chances, il a fait une belle chute. Hein. Il saigne, hein, donc il a déjà une hémorragie. À mon avis, même s'il n'est pas mort, il est pas bien. Hein. Mais je pense que ça aurait pu le faire. Hein. Allô, le jeu. Je pense. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Une bonne planque ici. Mais bien sûr. Oh, bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas? Une première victime. Ça marche, Joe. Passe une bonne nuit. Okay, repose-toi bien. Et notre ami aussi, Conrad. Je crois qu'on va arrêter, mais je suis sûr. Oui, il y a des mains. On la bille demain. Bye. Faites vos rêves. Avez-vous compris ce bonne nuit. Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit.
laissez-moi vous aider avec un petit indice. Vous êtes d'accord? Voyons voir comment tourner ça. Certaines des puissances en jeu sont un peu plus scientifiques, voire, irais-je jusqu'à dire, politiques, vous voyez, moins surnaturelles. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles? Allez, retournez-y. À plus tard. On arrête là, là. Non, Spacto, est forcément motivé. Oui. C'est la seule explication logique de toutes les horreurs qui se passent ici. Attends, il va se finir par lui parler. Essayons de rester rationnels, ok? Attendez, où est Conrad? Vous l'avez vu, on a été séparés. Moi, je l'ai vu. Enfin, toi aussi, tu l'as vu, Fritz, non? Oui, mais l'espace d'une seconde. Il est parti avant que je le rattrape. Parti ou ça? Non, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que tu ne dis pas tout, Fliss. Il est tombé. Et une chute comme ça, c'est fatal. Non. Ok, on va tous y retourner maintenant et on va retrouver mon frère. Julia. Il est peut-être en train de mourir, faut qu'on y aille. On va y aller, mais pas tout de suite. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a... un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de ne pas perdre les pédales, d'accord? Le truc que j'ai vu... on aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts, et après, ils ne l'étaient plus. Ouais, salut, Youbed. Après tout ça, ça paraît aussi dingue comme histoire. Alex, ça va ou quoi? De quoi tu parles? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex... c'était un cauchemar. C'est sûrement ton inconscient qui essaie de te faire comprendre que je t'étouffe. Je sais ce que j'ai vu, Alex. Tout ça ne peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Et là, on nage en plein délire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qui est bien réel? Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? Il est peut-être temps d'admettre qu'il n'y a pas d'or ici. On l'aurait déjà vu sinon. Est-ce qu'il a pu se passer à bord de ce bateau? Donc en fait, le bateau arrivait d'une station d'épuration des eaux en Manchourie. Il se dirigeait vers San Francisco. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Je débloque ou on est sur un vaisseau fantôme? Ouais, c'est une façon de voir les choses. D'après cette lettre que j'ai trouvée, il y avait quelque chose sur ce bateau qui fichait une peur bleue au gars. Le Lubel. Nous, ça va, on a bientôt fini. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à tous ces marins? Peut-être qu'un autre bateau est venu les chercher. Ça empeste la mort partout ici. C'est comme un tombeau. Alors ils viennent d'où tous ces cadavres? Il faut croire qu'on peut véritablement mourir de peur. Je suis certaine que c'est ce qui est arrivé à ces types. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver.
Allez. Oh, Eh ben du coup, doudou, moi j'en non, puis eh ben voilà, c'est ça, nous you bud, on va se coucher. Toi tu te plus. lèves, nous on va se coucher. Ouais. Oui, 23 h là, donc on y va. Allez Ouais, tout le c'est monde, gentil. passez tous une bonne nuit, amusez-vous bien. Et surtout dormez bien. You bud, bah, Ouais. profite bien de ta soirée. Enfin, de ta Bah, de fin sa d'après-midi journée, surtout, oui. hein. Allez tout le monde, amusez-vous bien, à demain. Bonne Allez, fin de soirée. bonne soirée, journée. Bisous à vous. À demain. Merci Carpadius, bonne nuit aussi. Bonne nuit Youbed. Bonne Bonne nuit nuit. les gens, merci. Bisous, bisous.